À 37 ans, Anna Popova est une femme branchée. Son secteur d'activité, les câbles audio. Issue d'une famille d'ingénieurs connue dans le domaine de la conquête spatiale, Anna, elle a choisi de garder les pieds sur terre, en prise avec sa passion, la musique. J'ai arrivé au câble grâce à l'amour pour la musique. Parce que comme ingénieur, j'ai commencé à chercher les solutions pour écouter les musiques dans toute sa beauté. Il faut dire que la jeune entrepreneuse a l'oreille absolue, un don qui lui permet de trouver les meilleurs connectiques sur le marché et de les améliorer. En 2008, elle a donc créé sa propre marque au Liechtenstein, O2A, et s'impose en Europe grâce notamment à la pratique de six langues. C'est pas facile le monde, mais quand on a ces qualités-là, quand on peut prouver qu'on est capable de faire son boulot, que ça marche. Aujourd'hui, elle continue de développer sa gamme haute qualité qui fait référence, un succès pour lequel elle a bataillé et qu'elle dédie à son père. C'était un petit rêve d'être comme lui, chercheur en électronique. Et je voulais toujours être aussi forte et intelligente comme lui. Paris en passe d'être réussi. Cette année, le chiffre d'affaires de son entreprise décolle réellement. Moi, je pense que je suis gâtée. La vie me donne de quoi je rêve. C'est juste qu'il faut assez rêver et avoir courage à rêver. Une détermination et une force qu'elle espère transmettre à sa fille de 12 ans. En tout cas, elle donne le la.